La famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment de qui l'a écouté, n'a pas gardé et recevra tranche information ça sous Chanel Maman Pemba Messac News, une chaîne qui l'a pour informer de tout ça qui a passé ici dans le pays d'Haïti à Claude Baudelot. On pas oublier toujours dire c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous capable informer. Avant nous vider information sur vous, n'a demandé pour garder en bas vidéo un petit bouton qui marque s'abonner si téléphone en français et puis subscribe si li en anglais, pas oublier activer petite clochette notification, hein. C'est seule façon ou capable rester connecté Maman Pemba Messac News. Avant nous continuer, n'a saluer tout le monde qui a regardé nous tendez nous en Haïti et ou même grand mi compatriotes qui à l'étranger ou même qui États-Unis, Canada, Chili, Brésil ou même qui en République Dominicaine, une grosse salutation pour vous même. Et bien sans plus tarder mesdames et messieurs, on rentre nan causé à mesdames et messieurs, bonne audition parce que gien causé nous doit tendez nous-mêmes parce que pays d'Haïti mesdames et messieurs son pays spécial. On écoute mesdames et messieurs. C'est comme un bête. Comme pivier monde qui est capable d'exister. Le calonné famille. C'est ça même oligarque que fait. Moi, j'ai regardé par exemple comment on commençait à prendre un pile attaque. Je dis, monsieur Saté, premier ministre, qui s'est réglé dans le pays? Bon, je fais seulement 3 mois comme premier ministre en contexte difficile. Moun qui fait 10 ans à diriger le pays, il m'a dit que je fais plus bon bagaille que ça qui t'a dirigé pendant 10 ans. Vous comprenez? C'est comme ça qu'oligarque et les médias. Je regarde deux personnes qui parlent de moi, je regarde dans la glace, je dis est-ce que c'est de moi-même? Si Claude c'est CIA, si Claude c'est volé, si Claude c'est criminel, je me dis m'habitue à ça. Parce que nous avons fonctionné beaucoup de président Jovenel Moïse. Nous avons un monde qui a dépafini tellement nous avons assassiné caractère. Ce n'est pas facile du tout. Donc, critique, nous voulons dire ça à Souéa que nous sommes imperméables aux critiques. Nous avons développé une immunité contre les critiques. Cependant, nous acceptons ça qui est bon. Parce que nous avons la science infuse. Donc, je vais dire à Souéa que je vais continuer la bataille là. Ce n'est pas facile en Haïti. Premier ministre, après le premier ministre, il rentre la caillou, il fait silence avec la famille. Alors que moi-même, je suis engagé dans une bataille contre un système qui est un système générateur d'exclusion. Je rentre dans une bataille contre les gens qui ont en pile l'argent. Je connais. Moi, je dois faire un pile de précautions. Il y a deux choses qui sont importantes. Les gens qui ont prié, ils m'ont demandé de prier pour moi. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment faire, mais prier pour moi. Mais l'autre précaution qui a à voir avec la sécurité, je m'apprends. Je ne sais pas comment me dormir, je ne sais pas comment me lever. Donc, ça, il est important pour moi parce que sinon, je n'ai pas de chance pour venir parler avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas facile du tout pour faire politique en Haïti. Et ce n'est pas tout politicien qui est corrompu. Moi, ouais, en pile en Haïti qui a une volonté, qui voulait faire une différence. Mais ce système-là, il est agencé pour récompenser ça qui n'est pas bon. Nous sommes capables de constater depuis un bon temps, un bon petit temps, moi-même avec un pile d'amis, Dr Omega, Sterling, un pile jeune en Haïti, n'a monté des cendres dans tout le pays. Mais c'est après que je viens faire une expérience en l'État. Faire une expérience en l'État, d'abord comme chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne. Ensuite, je vais servir sous leadership président Jovenel Moïse comme ministre des Affaires étrangères et puis à la faveur d'une circonstance moi vinn premier ministre. Premier ministre pour un petit bout de temps, premier ministre quand même.
Expérience ça dans l'état fait me comprendre grosse défi en jeu qui gagne en Haïti. Expérience ça fait que moi confronté ça me gagne comme hypothèse l'aime dans la diaspora même Jacques nous comme professeur dans l'université, moi j'ai chance enseigner dans Long Island University. Moi j'ai chance enseigner dans UConn, University of Connecticut. Moi j'ai chance enseigner dans Fordham. Moi j'ai chance enseigner dans système CUNY, City University of New York. Moi te qu'on a posé problème intégration diaspora. Moi pas de penser m'te bay tête moins. Moi dis peut-être m'pa tourner dans politique en Haïti encore, moi vin un chercheur, moi vin intéressé à question académique. Je casse que Yorelim pour mal servir pays à comme ambassadeur. Moi t'ai toujours qu'on a posé problème dans tout ça m'a écrit dans journal sur importance engagement ak implication dans diaspora. Mais là moi vi Haïti mais ça moi. Moi wè gen système qui mettait en place. Et système ça son système d'exclusion. Et diaspora compétence répertoire de compétences que nous gagnons dans la diaspora c'est une victime de système ça. Comment? Politiciens traditionnels yo gen un pile problème avec cadre qui dans la diaspora. C'est d'abord yo peur compétition. Pi fort moun haïtien ak haïtienne qui gon licence maîtrise ak doctorat à vivre dans la diaspora. Donc véritable répertoire de ressources humaines qualifiées li existe dans la diaspora. Mais système ça li constitue ça une barrière à l'entrée pour diaspora. Expérientiellement vivio. Le investisseur haïtien haïtienne qui a vivre dans la diaspora à Haïti même si yo te gen plus gros contact qui existait en Haïti système ça qui c'est un système générateur d'exclusion d'extrême pauvreté et de violence yo fait au camper loin. Moi j'ai un pile exemple côté gagnent en pile zami qui viennent avec Haïti avec belle idée et yo gen kòb yo bien avec ministre affaires étrangères ou bien président mais système ça qui gagne 5% monde qui gagne 85% richesse pays nan men yo son système qui combat toute concurrence loyale son système qui kembe loin tout petit pays qui fait en pile effort pour venir investir ou bien venir bay connaissance en Haïti. Il y a en pile anecdote. Système ça, c'est un véritable système pesé sous ses, c'est un véritable système d'exclusion et d'exploitation. Diaspora, Jean, yon zami sou di la, un collègue, yo contribue en pile dans l'économie pays. Donc yo wè diaspora comme un bastion de moun ka voye kòb. Mais chaque fois que moun sa yo vle al an Haiti pou yo al investi, c'est soit yo fè courir kite pays a parce que 5% moun sa yo gen contrôle gang yo tout. Politiciens traditionnels yo pa vle moun ki éclairé ki gen l'argent ki consacre le développement vin investi en Haïti c'est ça que fait yo formé ça un économiste relé un réseau sociaux d'accumulation c'est un petit groupe famille ak zanmi ki contrôle tout secteur nan pays a c'est yo ki contrôle secteur technologique là c'est yo ki contrôle secteur énergétique là c'est eux qui contrôlent le secteur finance là.